Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du système SnapLab, qui est un système d'impression à sublimation thermique qui va intégrer une imprimante qui va imprimer sur des rouleaux de 15 cm de large. Cette interface tactile va vous permettre de diriger l'imprimante. Pour l'exemple aujourd'hui, on va utiliser un disque dur puisque ce système intègre également une prise USB. Donc on va pouvoir brancher un appareil photo. On va pouvoir brancher un lecteur de carte. Donc une fois que j'ai installé mon périphérique, je vais pouvoir décider de ce que je veux faire. Je peux donc faire des tirages classiques, des tirages de type panoramique, une mise en page type calendrier, carte de vœux, pêle-mêle. Cette machine est entièrement paramétrable. Donc là, nous allons effectuer un tirage. Alors je peux sélectionner plusieurs types d'images. J'ai un petit onglet qui se trouve juste en dessous où je peux sélectionner la quantité de tirages que je veux imprimer. On va pouvoir imprimer du 9-13, du 10x10 en carré, du 10x15, du 13x13, du 13-18, du 15-15 et du 15-20. Je peux accéder à trois niveaux de finition différentes. Donc on a quand même trois niveaux de résultats différents. Ça, ce qui est intéressant sur ces nouvelles machines, ce qui n'existait pas avant. Je récapitule ce que je lui ai demandé, une image en 10-15, en brillant. Je clique ici toujours pour confirmer et il va lancer l'impression. L'imprimante a fait son taf, voilà, on m'a sorti l'image que j'ai sélectionnée en 10-15. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une photo noir et blanc. Ça marche très bien, ça marche très très bien en couleur aussi. L'image est manipulable immédiatement, elle est sèche. Là, le but, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement rapide, tactile. Au travers du menu, je peux décider, par exemple, de n'avoir qu'un type de tirage, pas de pêle-mêle, pas de panoramique. Je peux décider aussi que les images seront toujours avec un cadre que j'aurai au préalable travaillé. Imaginons que je fasse une soirée pour une entreprise ou une soirée à thème, je peux préparer un frame, un cadre, et ensuite les images seront systématiquement imprimées avec le cadre, avec le nom de l'événement, la date de l'événement ou le nom de la société qui organise l'événement. Donc ce qui est extrêmement pratique avec ce type d'imprimante, en l'occurrence, mais donc les imprimantes à sublimation thermique, c'est qu'on va utiliser le même type de consommable tout le temps. La matière première, c'est le papier et des rubans encreurs. Cette machine est disponible dans toutes nos boutiques. Vous pouvez également éventuellement la commander sur notre site internet et bien évidemment venir dans n'importe quel magasin où nous pourrons vous en parler et vous faire une démonstration.